Audrey, c'est un personnage qui, qui, oui, qui, qui, qui est mené par des relations toxiques, enfin qui, a, qui est attiré par des relations toxiques plutôt. Euh, et, comme, et comme dans la vie, David n'a pas voulu en faire une héroïne non plus. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'au contact euh, du personnage, par exemple, de Lucas, euh, qu'elle va. Euh, que soudainement, ces deux personnages qui sont des personnages qui ont une dimension toxique, ne vont pas à leur, à, à, au contact de l'un et l'autre devenir des personnages euh, euh, avec, euh, heureux et bénéfiques. C'est un peu comme euh, par exemple Blue Valentine où, euh, où c'est quand même une histoire d'amour, une, une histoire d'amour auquel on s'attache, mais avec des personnages qui ont, qui ont un rapport toxique. Et, euh, et c'est ce que j'aime, parce que ça, ça crée des personnages très humains en fait. C'est qu'Audrey ne va pas soudainement avoir une grande illumination et se dire non, je dois en fait, pour être heureuse, trouver quelqu'un qui sera équilibré. Et non. Et en plus, le personnage d'Audrey vit un, un, un terrible drame, puisqu'elle a perdu euh, euh, l'homme qu'elle aime. Et donc, elle est dans un rapport de, de négation par rapport à la vie, <laughs> qui est immense. Mais elle a un enfant, donc elle doit s'occuper. Enfin, elle doit survivre. Et, et la rencontre avec Lucas va lui permettre, même si c'est une relation toxique, d'arriver à survivre, parce que parce que l'amour, même s'il est parfois difficile, aide quand même à, à apprécier la vie, peut-être.